Aujourd'hui c'est JB, c'est la personne qui fait la musique. Bienvenue dans Game of Roll Galaxy, le début d'une grande aventure de science-fiction. Oh le stress. Oh non, c'est incroyable. Je meurs là. Ma femme pour l'aventure. Le premier live que j'ai fait ici, c'était une collab avec Alba. En vrai, j'étais confiant parce que musique de film, jeux vidéo, c'est vraiment mon domaine. Là, pour ce soir, j'appréhende un peu. En fait, la saison, la galaxie, dès que c'est orienté SF, soit t'as de la musique très très cinématographique, E.T., les Star Wars évidemment, soit t'as une orientation où les sonorités sont plus expérimentales. Les textures sonores, il y a beaucoup d'imprévus quoi. C'est génial. Et... c'est vraiment des sons alien quoi. Un décollage, ça peut être marrant d'utiliser ton truc vénère. C'est un clavier de science-fiction. Hein. Fibre. Il veut vraiment que j'improvise, il ne veut pas que je compose à la fin. Comment t'as été amené à rentrer en contact avec Game of Roll? Ce que je fais sur Twitch, c'est principalement des cours de piano. Et Fibre est tombé dessus par hasard. Est-ce que si je te demande là de me jouer une bataille avec des dragons, tu peux le faire? Après, il m'a dit bah contacte Alba pour venir jouer une fois. Puis après, il y a eu toutes les fois d'après quoi. Le truc le plus formel que j'ai, c'est les cours de piano toutes les semaines. J'aime vraiment faire ce truc-là. Des cours gratuits qui sont faits pour les débutants. Là, je réouvre une promo pour les débutants le 16 septembre. Et avec un répertoire qui vient d'animé, musique de jeux vidéo, studio Ghibli, voilà. Et bah, bon courage pour ce soir. Merci. Ça le fait, merci beaucoup. Avec plaisir. Moi, ça m'intéresse que tu viennes une rosta comme ça. Même parce que tu vas nous apporter des gens. Mais quel ordre.